Chers tous, bonjour Cash en ce lundi 11 septembre 2023. Comme je vous l'avais annoncé lors d'une précédente vidéo, voici le journal officiel. Voilà. Il coûte 15 000 francs CFA. C'est pas cher. 15 000, c'est pas ce que l'on dépense même after work, un après-midi, lorsqu'on est à la CNAMGS, à la station ou au bar à prendre un verre avec des amis. Il est disponible dans toutes les librairies. En tout cas, les mieux achalandés, les mieux étoffés, il coûte donc, disais-je, 15 000 francs CFA. C'est le code de procédure pénale de la République gabonaise. Je vais à la page 173. Je l'ai souligné. Page 173, ceux qui vont se le procurer. Titre 2, intitulé « De la grâce ». Article 571 dit « Le président de la République, conformément aux dispositions de l'article 23 de la Constitution, a le droit de gracier toute personne condamnée par une juridiction gabonaise, quelle que soit la peine prononcée définitivement. » Article 572, la décision accordant la grâce fait l'objet d'un décret du président de la République pris après avis du ministre chargé de la justice. Dès réception de la demande de grâce, le ministre chargé de la justice fait procéder par le représentant du ministère public près la juridiction qui a statué à la mise en état du dossier, lequel est transmis par la voie hiérarchique assortie d'une enquête complète sur le recours et le comportement en détention du condamné. Le recours en grâce peut être renouvelé deux fois. La décision de rejet qui intervient à la suite du troisième recours est définitive. La décision, écoutez attentivement, la décision accordant ou rejetant la grâce doit, dans tous les cas, être notifiée par le ministre de la Justice et, s'il existe des condamnations pécuniaires, à l'administration chargée du recouvrement. Lorsque la grâce est accordée, notification doit être faite également au parquet après la juridiction de condamnation pour qu'il soit procédé à toute mention utile. Je m'arrête par là. On voit l'ancien directeur général de la CNAMGS, j'ouvre une parenthèse, ce n'est pas un débat personnel, ce n'est pas la personne de M. Alogo, non. Je dis le directeur général de la CNAMGS. Il est sorti de prison. Il y avait le maire. Bon, le maire, ça c'est un peu, on sait qu'à la mairie, après les déclarations sur le PDG, on sait qu'il y a de la politique là-dedans. Et ne faisons pas dans la mauvaise foi. On sait ça. Mais à la GEV, on sait que c'était, entre autres, condamnation, pour parler simplement qu'ils ont pris l'argent, ils ont détourné les fonds. Alors, on se demande, Brice Lacruche Alianga, le tête de file des Bla et Boys, qui bouge et où? Il est toujours en prison? Ndoundangoy, vous me cherchez pourquoi et où? Tony, et où? Nzundu, DG de la Caisse des dépôts et de consignation, et où? Ainsi que les autres. Ces enfants-là, comme disent les parents, occupaient des postes stratégiques. Et quand on entend Ali Bongo lui-même qui dit que pendant 5 ans, il ne voyait, bon, enfin, il comprenait rien, il n'était pas là, d'esprit, peut-être de corps, mais en tout cas, par l'AVC. Tout le monde l'a écouté le fameux 3 avril, pendant le congrès du PDG. Donc, au-delà de l'émotion, je dis, hein, s'ils n'ont rien fait, ben, ils sont libres. Mais il va falloir aussi qu'on nous dise quelle est la procédure à suivre. Est-ce que le décret a été pris? Le décret où? Bon, il faut se référer au ministère de la Justice. Tout le monde est d'accord que le ministère a été dissous. Ok, mais faisons les choses dans les règles là. Je m'adresse entre autres au conseiller juridique du président de la transition. Le président de la transition et les généraux qui l'entourent ne sont pas des savants. Donc au conseiller de nous ramener sur le droit chemin pour comprendre le fameux droit. Parce que cela dit, avec les rencontres du corps judiciaire, parce que là-bas aussi il faut nettoyer, c'est devenu pratiquement, n'ayons pas peur de mots, un comptoir commercial. Entre les avocats qui n'ont pas de bâtonnier, les huissiers, vous connaissez très bien ces huissiers qui ne sont même plus au Gabon, mais leur cabinet fonctionne et ils vendent illégalement les biens d'autrui. Donc sur cette base, nous allons poursuivre ces vidéos, ces capsules d'information pour comprendre ce qui doit être fait et ce qui ne doit pas être fait. Cette euphorie ne doit pas nous amener à faire tout et n'importe quoi et à sortir du cadre juridique. Cash. Il faut une
Justice équitable, cash pour un Gabon et une transition réussie, cash.